Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et les gars, comme vous avez pu le voir dans le titre, là on se retrouve pas pour une nouvelle vidéo sur Grand Cross, mais on se retrouve pour quelque chose en lien avec Grand Cross. Vous l'avez peut-être vu à l'image les gars, mais effectivement, j'ai reçu un petit colis surprise en lien avec le 5e anniversaire de Grand Cross. Il est juste là. Je l'ai pas encore ouvert, j'ai juste ouvert la boîte comme ça, je vais pas me faire chier devant vous à déchirer l'emballage. Mais vraiment, j'ai pas checké dedans. A priori, je sais ce qu'il y a dedans, bien évidemment. Mais voilà, je suis très 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 content de vous proposer cette vidéo, les gars, parce que c'est tout simplement grâce à vous. Je vais pas vous mentir, hein. C'est grâce à tous ceux qui nous soutiennent sur la chaîne depuis le début, avec tous les abonnements, tout ce que vous avez pu engendrer autour de tout ça durant ces 1 an et demi d'aventure qui sont incroyables. Je vous remercie à tous. Même 2 ans, je pense, hein. Bientôt 2 ans, facile. Que dis-je? C'était sur 3K, du coup ça va faire. Bah ouais, ça fait 2 ans et demi. Donc merci à tous pour le soutien, parce que j'aurais jamais pu passer partenaire sans vous, tout simplement, hein, vu qu'il faut un minimum de 1000 abonnés, il faut faire des vidéos sur le jeu. Et donc tout ça, c'est grâce à vous, parce que c'est en tant que partenaire que j'ai pu notamment engendrer cette demande pour recevoir ce petit colis surprise. Et vous allez rapidement le voir, on va découvrir tout ça ensemble, on va l'ouvrir, on va checker ce qu'il y a dedans. Mais ça risque d'être assez sympathique, et ça fait plaisir que Netmarble mette en place des choses, notamment dans un premier temps pour leurs partenaires, bien évidemment, et surtout autour du 5e anniversaire, parce que voilà, c'est quand même assez gros, hein, les 5 ans, c'est pas rien. Je sais qu'il y en a qui sont un peu déçus de la célébration pour le moment. On a eu qu'une semaine de contenu, voire deux avec la Jap. On n'a pas encore eu la partie 2. On s'attend pas non plus à 20 000 trucs nouveaux, mais faut se le dire, c'est quand même une célébration qui est assez sympathique. Mais en tout cas, nous, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour aller découvrir, bien évidemment, encore une fois, ce qu'il y a dans ce colis. Alors, il y a mon étiquette avec mon adresse et tout le blabla. Je vais bien regarder à ce que ça leak pas. Hein. Donc, je vais ouvrir juste les deux premières boîtes où il y a les étiquettes. Comme ça, bah, vous voyez pas trop ce qu'il y a dessus, bien évidemment. Et ensuite, on ira découvrir donc le contenu de la boîte ensemble. Et évidemment, je vous demande encore plus que jamais de liker cette vidéo. Oh, je vais y arriver. Je suis ému carrément. Cette vidéo, si jamais elle vous plaît, parce que c'est une première en fait, tout simplement sur la chaîne déjà de faire ce genre de vidéo. Et si vous voulez peut-être plus de vidéos de ce genre à venir, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Et puis voilà. Donc petite ouverture de colis aujourd'hui. On est parti. Je vais juste faire de la place sur mon bureau, comme ça, bah, moi je vais pouvoir mettre correctement la boîte. Et je vais pouvoir a priori vous montrer le contenu de celle-ci. Donc je vais la poser devant moi. Je vais jouer avec la cam, hein. Je vais la baisser de temps en temps, comme ça vous pouvez voir évidemment ce qu'il y a dedans. Et donc je vais commencer par ouvrir, comme ça ben, on ne voit pas mon adresse encore une fois. Je vais essayer de vous faire des plans corrects, hein. Donc là je vais choper ma cam comme ça, je vais la choper. Tac. On va essayer de pas tout casser, hein, Freezy, ce serait bien. Et donc là a priori, voilà, on voit la boîte. Alors je vais essayer de rehausser un peu, ou peut-être de baisser encore plus. Comme ça vous avez vraiment, voilà, tout le visu sur la boîte. Je vais même, hop, tendre un peu le micro. Et donc là les gars, si on ouvre, tout d'abord, on a un petit message. Alors bon, il y a mon nom, prénom, donc on va éviter de spoiler le tout. Mais je vais vous la lire, tout simplement. Alors c'est en anglais, donc on va commencer par la lire tranquillement. Je vais vous faire une petite lecture de mon Dear English, you know. Dear Stephen. Bon, pour ceux qui savent pas, je m'appelle Stephen. Bon, ça, c'est pas une grande surprise. Voilà. Hello! À partir du moment où tu as ouvert ta taverne il y a 5 ans, ton aventure a commencé. Nous tenons à remercier toi, chevalier, pour ton amour et ton support à The Seven Deadly Sins Grand Cross qui célèbre son 5e anniversaire. Vu que tu as porté de l'intérêt et de l'amour au jeu, et que tu as commencé à jouer, et que tu as donné aussi l'envie de jouer aux autres joueurs autour de toi, à partir des héros de Ragnarok jusqu'à ceux de Seven Deadly Sins, on a créé différentes OST en lien avec le lore des héros. L'OST que nous allons... Now overlaid with precious, that reminds us of... Ces OST nous rappellent tout simplement à quel point les héros de Grand Cross sont importants. Et c'est pour ça que nous vous les faisons écouter avec beaucoup d'émotion
qui sont transmises dedans, etc. Nous avons donc préparé un album spécial qui reprend toutes les OST produites par The Seven Deadly Sins Grand Cross. Et cet album spécial t'a été envoyé à toi, valeureux chevalier. Nous espérons que cet album te fera chaud au cœur, que ce cadeau te fera chaud au cœur et que tu le chériras précieusement et que celui-ci voilà, te fera rappeler tous ces souvenirs engendrés sur ces 5 dernières années. Donc, à travers ce LP, nous espérons que les chevaliers qui ont commencé leur aventure sera d'autant plus spécial à travers les jours qui sont passés dans The Seven Deadly Sins Grand Cross et les jours qui sont à venir. Nous espérons, chevalier, que tu seras avec nous dans les futures aventures comme jusqu'à maintenant, et nous aimerons te remercier à partir donc from The Seven Deadly Sins Grand Cross Team, donc de la part de l'équipe de The Seven Deadly Sins Grand Cross. Donc voilà un petit parchemin assez stylé, hein. Je vais essayer de vous montrer le bas, voilà, vous voyez, c'est vraiment un petit parchemin très très cool. Bon, c'est imprimé sur une feuille, hein, ils se sont pas fait chier à quand même faire un parchemin. Ça, j'avoue, ils ont eu un peu la flemme. Mais nous, maintenant, les gars, ce qui va nous intéresser, c'est le contenu de la boîte. Et vous le voyez déjà là, hein, vous voyez ces petites flammes. C'est stylé, c'est très 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 stylé. Il est big, waouh, damn. Si je le lève, hey, il pèse un peu son pesant d'or, hein. Un petit kilo de ce que j'ai vu. Il est dans du papier bulle, mais on peut déjà le voir à travers. Bon, pour vous, il est à l'envers, du coup, je vais plutôt le mettre dans ce sens-là. Voilà. Déjà le voir à travers. Je vais ouvrir tout ça, les gars. Je vais redresser la cam. Hop. Juste là. Bon, ça va faire un peu de bruit avec le papier bulle. Je vais essayer de l'ouvrir correctement. Ils ont même scotché le papier de bulle, putain. Je vais m'amuser avec le papier bulle en off, hein. Ça va être une partie de plaisir. Hop. On va déchirer ça. Il se déchire facilement, ça, c'est bien. Et donc, voilà. Là, j'ai ouvert. Et si je déballe, la masterclass est en approche. On l'avait vu lors du live, hein, Invocation. Il était là, il était présent, il nous regardait comme ça. Je vous avais dit, j'ai tellement envie de la voir. Netmarble, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Bah, on dirait qu'ils m'ont entendu, les frérots. On a tout simplement en notre possession... Oh là 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 là. Oh là là. Oh, c'est stylé. Oh, j'adore. Oh, j'adore le papier bulle. Hein, Hank ? On va jeter le papier bulle. Je vous parle bien évidemment. Regardez-moi cette dingue. Bon, attendez, il y a la light, hein. Du coup, je vais plutôt le rapprocher de vous. Cette masterclass, tout simplement, Escanor. Escanor, le vinyle d'Escanor, les gars. Il est somptueux. Il y a même The Seven Deadly Sins Grand Cross écrit sur le côté. Original soundtrack spécial édition. Avec, oh, le petit logo derrière. Bon, c'est écrit en jap, ça, on s'en doute. Et, oh, oh, regardez le détail. Bon, attendez, je vais baisser un peu la luminosité pour vous, parce que là, ça doit foudroyer littéralement tout l'album. Hop. Voilà, un peu mieux comme ça. Bon, vous voyez un peu moins clair, mais c'est pas grave. Je sais pas si on peut voir un peu le détail, mais vous voyez, on voit le dos d'Escanor. Non, 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 les gars, ils ont cook. Ils ont littéralement cook. Je vais remettre un peu la lumière plus haut maintenant. Hop. Voilà. Les gars, non, c'est... Le poulet est délicieux. Bon, il y a un petit emballage plastique que je vais devoir enlever. Mais... Non, je... J'ai pas les mots. J'ai envie de vous dire, je n'ai littéralement pas les mots, les gars. Bon, l'emballage plastique... Ils sont pas très écolos, hein, chez NM. Après, ça vient de Corée. Et en Corée, il y a littéralement tout qui est emballé dans du plastique, hein. Pour ceux qui ne savent pas, vraiment, la moindre des choses est divisée, même au Japon, hein, est divisée à l'unité dans des emballages plastiques. Vraiment, eux, leur consommation de plastique, elle est totalement abusée. Mais bon, je ne suis pas là pour vous faire un discours politique sur l'écologie. De toute façon, les élections approchent en Belgique, pour ne pas vous mentir, et je ne compte pas du tout voter pour les écolos, hein. Non loin, me déplaise l'envie d'avoir une planète meilleure, hein, mais le fait est que... c'est pas un parti politique qui va changer grand chose, ça c'est à nos habitudes à chacun chacune de changer. Et maintenant, outre le discours politique, si j'ouvre cette dinguerie, déjà je vais jarter la boîte en carton qui est big as fuck. Voilà. Et là les gars, la masterclass. Waouh, somptueux. Je sais pas comment vous dire, mais la texture est très particulière. Il est enveloppé en fait, ouais, regardez, il est enveloppé en fait encore dans un truc en plat.
Oh là 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 là. Dans un truc en plastique où il y a escaladeur qui... Attendez, bah, je vais baisser la cam. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Tac, on va cook comme ça. Non, les gars, regardez-moi cette dinguerie. Il y a escanor sur la jaquette. Et en fait, quand vous tirez, il reste que le petit escanor. Avec le Seven Deadly Sins Grand Cross derrière. Non, 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 ils ont cook. Ils ont cook. Oh, c'est trop stylé, c'est trop mignon. Avec le logo derrière. Insane. C'est incroyable. C'est incroyable. Et là, bah, si on prend maintenant le vinyle. Le dos des scanners. Franchement, ça, Grand Cross. Mais s'il vous plaît, sortez-le en fond d'écran. Il est juste somptueux. La qualité HD est magnifique. Du coup, derrière, là, on voit que le dos des scanners. Hein. Il n'y a plus le logo de The Seven Deadly Sins Grand Cross. Très, très, très stylé aussi. Hein. Et maintenant, bah, si on passe à l'ouverture, les gars. Bah là, c'est parti. C'est le moment de cook. Tout d'abord, on a. Alors, un petit wallpaper. Hein, avec le nom des sons de ce que je vois. Hein. Si on reprend tout ça. Side A, ouais, c'est ça, c'est le nom des chansons. Pour les avoir écoutées pas mal, évidemment, la dernière, c'est Eternal Sunshine, la petite musique d'Escanor. Avant ça, on a la musique d'Arthur. Believe, ça, c'est. Ça, c'est qui? Ça, il me semble que c'est la reine Elisabeth. Save the Day, ça, je crois, c'est le dernier Escanor en date. Mais ouais, ils ont cook. Hein. Prism, et ça a commencé avec les chansons de Ragnarok, bien évidemment. Il y a un petit QR code ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le SoundCloud. Bah écoutez, je vous le permets de... Ouh, il y a un truc qui s'échappe. On va checker ça après. Je vais vous mettre le QR code bien en évidence. Comme ça, si vous voulez le scanner, vous pouvez le faire. Et du coup, ça vous donne accès, a priori, à un cloud avec les sons. Très sympa. Et du coup, là, il y a un truc qui s'est échappé. Qu'est-ce que c'est? C'est un livret. Ok. Un petit livret où on a le fond des scanners. Très, très, très stylé. Et là, a priori, ça m'a l'air d'être un descriptif des différentes chansons. Je vais rapidement lire un peu ce qu'il y a écrit. C'est les paroles? Oh, c'est les paroles! Trop stylé! Bon, déjà, faisons un petit arrêt sur image, mais à chaque fois, les screens sont sublimes. Regardez-moi, c'est trop stylé. Là, on a l'écran avec Estarossa, tard l'époque. La beauté, la Big Waifu. Regardez-moi la Big Waifu. Elle est pas trop belle sur son trône. Oh, mamacita. Pouet, pouet. Incroyable. Non, c'est trop stylé. C'est trop stylé ce qu'ils ont fait, les gars. Avec le petit Estarossa, Lady Commandement. Bon, Escanor Meliodas, hein, bien évidemment. Les Seven Deadly Sins. Et de l'autre côté, ok. La petite. Ça, c'est l'image qu'il y avait au tout début du jeu. Hein. Et ça aussi, l'image promotionnelle du début du jeu. Incroyable. Et du coup, il y a des paroles. Et pour l'instant, bah, ils ont sorti 11 OST. Et donc, a priori, bah, on s'en doute, à l'avenir, quand il y en aura plusieurs, ils vont nous recook un petit album, en espérant qu'ils me le renvoient avec grand plaisir. Et voilà, il y a les paroles, par exemple, de Eternal Sunshine. Your flame seems like it will last forever. But the light was from your sacrifice. Ah, les gars, je vous ai dit, j'ai poncé la chanson. Hein. Donc ça c'est très 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 stylé. Je vais le remettre de ce côté-là juste après. Parce que là il nous reste quand même la partie la plus intéressante qui se cache juste ici dans donc l'autre partie de l'album. Je vais essayer de faire ça doucement histoire que... De pas tout casser. Hein. Hop. Non non c'est trop. Bon, l'enveloppe papier est très très chiante hein, parce que là du coup je suis en train de tirer coup par coup. Histoire de ne pas abîmer parce que ça ne va pas sortir en un coup à cause de la friction du papier. Hop. Et voilà. The Seven Deadly Sins Grand Cross Original Soundtrack Special Edition. Une petite enveloppe. On a carrément les logos d'approbation. Et là, quand on va ouvrir, les gars. Là, les gars, ça va être somptueux. Pa 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 pa. Aïe, 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 aïe. Oh, mais Grand Cross, mais je vous fais un gosse. Bon, encore du plastique. Mais je vous fais quand même un gosse. Oh non, il est trop beau. Oh. Non, les gars, il est incroyable. Les gars, c'est un vinyle, hein. Il fonctionne réellement, hein. C'est pas de la pure déco. Il est somptueux. Bon, il est pas très lourd, hein, vous en doutez.
Mais regardez-moi cette dinguerie. Ah, il est trop beau. Attendez, je vais remonter la cam carrément. Je suis choc barre. Je suis choc barre. Il est trop trop beau. Genre, regardez là, vous avez le petit escalier en devant. Et si vous le retournez, ah, il y a le big escalier en derrière. C'est fabuleux. Il est trop trop beau. À ça de me dire, je vais le foutre dans mon décor. Hein. Genre, je le fous là, comme ça. Bon. Il cogne contre le mur. Pas ouf. Mais c'est magnifique. Ça, c'est du collector qui collectionne, les gars. Ça, croyez-moi, jamais de ma vie, je le revendrai. Car moi, je veux le mettre dans mon testament pour mes gosses, les gars. C'est trop une dinguerie. Il est magnifique. Il y a le numéro des chansons écrit tout au long du disque. Sur les petits pointillés blancs, là, en fait. Maintenant, c'est juste dommage que j'ai pas de tourne-disque, en fait, pour pouvoir l'écouter. Sinon, ça aurait été fabuleux. Je mets mon petit tourne-disque comme ça. Je me pose. Et j'écoute Eternal Sunshine. Et là, je voyage. Et je suis loin. Je me vois dropper Escanor comme ça, dropper les fests. Magnifique. Les gars, que dire à part que c'est magnifique. GG Grand Cross, merci encore une fois. Merci infiniment, Netmarble, pour le cadeau. Ça fait extrêmement plaisir. Et. Oh! Il y a un petit truc gravé. Il y a un A. Je crois que c'est le numéro d'exemplaire. Ouais, c'est écrit en coréen aussi. Je sais pas lire ça. Désolé. Hein. Mais magnifique. Magnifique. Il est trop trop beau. Merci encore une fois, vraiment, Led Marble. Incroyable. Le cadeau, franchement, il est sublime. Je suis sûr qu'il y aura des jaloux. Hein. Je pense à Kill, bien évidemment, qui sera totalement jaloux. Rappelez-vous de sa réaction en live. Il était prêt à cracher le PIB du Pérou pour l'avoir. Et moi, ben, Netmarble me l'a tout simplement envoyé. Bon, j'ai dû payer les frais de douane, ça va. Mais décidément, il faut tout payer jusqu'au bout avec eux. Mais quand même, les frérots, ils ont cook. Et c'est normal de payer les frais de douane, les gars, c'est à votre nom. Du coup, très 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 stylé. Je ne vais pas rendre la vidéo plus longue qu'elle n'est. Je suis giga heureux. C'est incroyable. Je vais essayer de voir si je peux trouver un tourne-disque pour pas trop cher. Peut-être sur Internet. Essayer d'écouter cette merveille hein, parce qu'il est juste sublime. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à liker les gars, bien évidemment, hein, ça me ferait extrêmement plaisir de mettre un peu cette vidéo en avant parce que voilà, ça sort un peu des choses habituelles qu'on peut voir sur le jeu. Et ils ont quand même fait un petit effort là, Netmarble, de proposer des choses aux partenaires. Juste insane. En attendant les amis, ben moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, bien évidemment. On a passé la barre des 5500 abonnés au moment où je vous parle, donc on est en route vers les 6000. Vous faites péter les scores, c'est incroyable. Je passe un anniversaire de zinzin, je vais pas vous mentir. Malgré que j'ai les cours à côté où voilà, bah, je dois taffer, c'est pas forcément fun de taffer sur des travaux jusque tard et tout. Je vais pas vous cacher toute cette partie de ma vie. Mais tout ce que Grand Cross me procure à côté niveau bonheur, c'est fou. C'est fou qu'un simple jeu mobile, bah, comme ils le disent dans leurs petites lettres, peut nous faire vivre une aventure pareille. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le bouton like, l'abonnement et activer la cloche. C'était Freezy pour vous servir. Et je vous dis à dans de prochaines vidéos. Tchuss!